Les amis, aujourd'hui, nous partons pour notre premier pack opening sur FIFA. Oh, EA FC 24, la simulation de football. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On va ouvrir des packs, voilà. On va utiliser des points comme ça, c'est fait. Et puis on va regarder un peu ce qu'on a, ça nous permettra de faire des SBC, etc. Moi je pense pas que c'est la meilleure solution de faire ça, mais au moins ça fait un petit contenu sympa. Et écoutez, il y a des packs en promo. Alors moi j'ai pas trop envie d'ouvrir à l'heure actuelle les packs ici par rapport au fait où c'est pas vendable, donc on va déjà dépenser nos points sur ces packs là, ce qui fait presque la totalité de toute façon, hein. Il nous restera 300 points à utiliser sur les petits packs. Moi je préfère ouvrir les packs vendables, comme ça au moins j'ai une marge de manœuvre de faire un peu ce que je veux avec. Puis voilà, on va tenter ça. Pour l'instant voilà, on a ouvert juste quelques petits packs et vous voyez ce qu'on a eu. On a juste eu lui, hein, Nunez, hein. Sinon on a vraiment pas eu grand chose. Je vais vous montrer, comme ça vous voyez vraiment tout ce qu'on a packé. Il y a rien, hein, c'est que les joueurs de près. On a eu Rezus aussi dans le dernier pack, donc peut-être que voilà, Rezus sera dans l'équipe principale bien évidemment. On partirait plus sur une première ligue à l'heure actuelle. Mais sinon, ouais, pas grand chose de fou à noter. Ce sera vraiment notre premier pack opening. En vrai, c'est vraiment ça. Voilà les joueurs qu'on a packés. Ravi Galavan, lui, on l'a eu dans le pack boosté. Kamada, Florentino, Jonathan Vieira. Et après, voilà, c'est des joueurs basiques. Donc, vraiment rien. Alors, boutique. Allez, on y va, les gars. C'est les premiers vrais packs. Premier vrai pack opening. Est-ce qu'on peut faire une animation? Ce serait ouf. Attaquant droit Milan. J'ai pas du tout. Nigérian, ok. Chukwueze, ok. Il est parti là-bas. Yonosei, je ne savais pas. Très bien. Sympa. Pour le petit défi. Lenzini, défenseur central. Féminine. On n'a pas forcément le petit budget là-dessus. Je vais garder beaucoup de joueurs. Danilo Pereira, Paris, ok. Kone. Assez intéressant, hein, la carte de Kone aussi pour un début. Vraiment. Pour une petite équipe sympa. Puis le reste pas forcément super intéressant. Bah, on a toujours Jean. Le deuxième. Moi, je veux juste faire une petite animation. Mais même une petite. Hein. Juste voir à quoi ça ressemble l'animation. Milieu de Borussia Dortmund, Malen. Je voulais pas dire Malen parce que pour moi il était buteur, mais ouais, Malen, ok. Plutôt intéressant sur un côté. S'il dribble, pourquoi pas. Ok, double 4, ça peut être rigolo. Quels sont ses postes ADBU logiques? Ok, pourquoi pas pour un début aussi sympa. Allez, continuons. C'est pack vendable, donc plus dur de packer les trucs dans les packs vendables, hein, c'est clair. Français, MDC, Angel City. Qui c'est qui est parti là-bas? Ah putain. 85 à Mandine Henry. C'est quand même joli. C'est presque, c'est notre meilleure note. Et Sergio Busquets aussi. Et Ferran Torres. Bah il est sympa. Oh, Gaëtan Tinet. J'ai fait une vidéo avec Gaëtan Tinet. Rigolo. Girma, Riemann, Blasé. Non. Oh, remontez tous. Est-ce qu'à Mandine Henry, on aurait éventuellement une valeur marchande ou pas du tout? Ok, 5000 crédits. Ok, on garde. Malen coûte 12k quand même. Ah ouais? Ouais, bon après, je suis pas sûr de vouloir vendre mes joueurs maintenant. Je sais pas trop. On verra ce qu'on va faire. Déjà ouvrons, on a le temps d'analyser après. Espagne, défenseur central. FC Barcelona. Première animation de l'année? Non. Inigo Martinez, 82. Ito, qui est là aussi, ATBU double 4. Sympa pour un début. Bebou, lui aussi, hein, chaque année on l'utilise au début. Bancar Trero, Redmond, qui est là, RA Promel et BT, ok. Écoute, pas fou non plus, mais on prend. Allez, on est presque à la moitié déjà, mais ça va vite, hein, mine de rien. Espagne encore, milieu gauche, Real Sociedad, ça va rien être de fou. J'adore ma première animation quand même. Oyarzabal, ça aurait pu, mais non. Et derrière, oh, Mitomina, ils ont mis 5. Ah, 4, ok, d'accord. Milinkovic-Savic, mais le gardien magnifiquement cheaté, on se souvient. Vivian, Rail, Nakamura dans les Morato. Ok, pas vraiment de carte ici qui me fait vraiment vibrer plus que ça, hein, pour l'instant. Mais on prend. Et Walkout sont stylés par contre. Ah, j'aimerais bien en avoir un, hein. J'aimerais beaucoup en avoir un, mais ça va être dur. Hein. Continuons. Italien, DC, Bergame, je crois. Raphaël Toloi, le double wall 4. Oui, alors là, par contre, vous partez dans le futur. Bah, rien de bien fou, hein, rien de bien fou. Encore une fois, Phaser. Non, mais regarde, frérot. Regarde les stats, quoi. Ça va être intéressant, ça, en milieu de terrain aussi, hein. Kouyaté. On a pris cher, Kouyaté. Hop là. Salut, toi. Nous l'avons paqué. C'est bon. Stevanovic, joueur du Servette FC. Je prête Bruno dans ce pack opening. Ouais, je crois qu'il faut pas trop rêver, les gars. Les packs vendables, c'est très bien au début d'année, ils donnent pas grand chose. Hein. Même à la fin d'année, au final. Hein. L'année passée, tu te souviens, à la fin d'année, on a rien packé. Putain, les Espagnols, ça va au bout d'un moment.
Bon, défenseur, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais... Alex Moreno. Bon, après, pour notre équipe Première Ligue, c'est intéressant. Ouais, on va pas se plaindre, parce que pour l'instant, on aurait plutôt une équipe Première Ligue, comme d'hab, tu vois. Donc Alex Moreno pourrait faire le taf sur le côté. Avec un petit Michael, enchanté monsieur, comment allez-vous? Ouais, non, pas fou. Poivoy, Tadic, Tadic, il a pris cher. Alex Telles, ouais, rien de bien fou ici. Alex Moreno dans l'équipe, assez intéressant. Allez, dernier pack joueur premium. Oh, les gars, c'est le dernier. Après, elle a pu. Peut-être dans le dernier, du coup. Belge, MC, oh, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. C'est obligé. Ben voilà, une belle animation. C'est fait les gars. Parfait, combien ça vaut? C'est de la thune ça? On pack un énorme joueur. Mais attends, c'est pas la plus grosse note générale du jeu ça? Putain, c'est énorme. Incroyable. Clusterman à l'intérieur aussi qui va courir. Oh là là là, oh là là, on va faire courir des gens. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Combien ça vaut ça? Ah, c'est pas cher hein. 130. Ah, j'ai envie de le vendre hein. Qu'est-ce que j'ai envie de le vendre et m'ouvrir les deux packs. Je fais ça les gars ou pas? On commence très mal l'année si on fait ça. Les prix vont monter. Ouais ouais je sais mais je m'en fous les gars. Vends pour l'équipe. Ouais je vends pour l'équipe comme ça je pourrais m'acheter des petits joueurs que je préfère. Et on a un Wood aussi qu'on va lister. Les gars je vends par rapport au fait où je vais sûrement pas le jouer. Ah bah voilà on a récupéré les crédits déjà. On est trop riches les gars. Allez et on a encore 3 packs pour rêver les gars. 3 packs pour rêver d'un autre truc. Alors bon là on a déjà eu beaucoup de chance hein, d'avoir une énorme animation comme ça sur le premier pack opening. Non c'est trop. Inter... Oh là-bas. Ah je prends de ouf hein. Il y a des stats encore ou pas? Jordi Alba, pardon. Alba, Alba. On a Busquets aussi dans le club, hein. À réfléchir. Oh, Pierre-Emerick Aubameyang, let's go. Bah attends, on va peut-être jouer. On va peut-être jouer au bas, non? Il y a un Camara pour la PL. Camara pour la PL. Mais attends. Mais tout se passe parfaitement bien. On est en train de nous créer une équipe, là, quand même. C'est très, très beau, cette histoire. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, avant-dernier pack. Ah, je pourrais pas ouvrir le dernier, les gars. J'ai pas assez de points. Français. Buteur. Mbappé! Non. McDonald's. On a eu Vlahovic quand même. 80 000. Les fourchettes de prix. Ah là 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 là. C'est pas... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ça. On a encore un pack ici à ouvrir. Et après, ça nous coûterait... Ah, mais c'est 275 000. Frérot, on fait quoi? On fait quoi? J'ai pas envie de mettre des points en vrai, tu vois, début d'année, c'est relou. En même temps, je sais que j'en aurais envie au bout d'un, c'est ça. En fait, le problème, il est là, tu vois, sur ce jeu. Déjà, on va aller voir l'équipe, parce qu'avec les joueurs PL qu'on a packés, les gars, on est pas mal, hein. On est pas mal. Créer une nouvelle équipe, on va l'appeler PL. Ensuite, on rappuie ici, sélecteur d'équipe, on efface la première. Et on y va là. Dans un premier temps, on aurait Gabriel. En attaque, je pense que de toute façon, on est obligé de partir là-dessus. On a quand même un duo très très fort. Je pense pour un début de jeu, ça, t'es très content d'avoir ça, tu vois. En milieu gauche, à l'heure actuelle, en PL, on a Mitomina. Mitoma, c'est fort. En milieu centre. Donc là, ah, c'est énorme. Donc il te sort toutes les cartes qu'il peut jouer milieu centre, même s'ils ne le sont pas de base. Superbe. Donc du coup, on a Camara. C'est très très bien fait ça. Bravo eSport. Ça, vous avez bien réussi. Bravo. Est-ce qu'on a des petites pépitas? Hammer peut être rigolo. À tester. En milieu droit, on a que Redmond. En défenseur gauche. Non, mais j'aime bien construire mon équipe et tout, tu vois, comme d'habitude. On en a deux. J'ai un MDC qui peut jouer DC, marrant. Kouyaté peut jouer DC, ok. En défenseur droit, j'en ai pas. Et en gardien, j'ai Turner. Pour le moment, j'aurais ça. Les autres joueurs PL qui ne sont pas sur le terrain, on a Cunha, André Gomez. Est-ce qu'on a, tu vois, non, on n'a pas de gros joueurs. On se dit, putain, lui, c'est dommage de pas utiliser, tu vois. On n'a pas... Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est éventuellement les joueurs jouables de ouf. Alors bon, elle, faut la mettre parce qu'on a un défi à faire. Henry, éventuellement, mais bon, ça passera jamais. Après, on peut se faire un délire Busquets, Alba, mais le problème Busquets, c'est qu'il va pas avancer. On a lui qui est intéressant. Ensuite, en termes de jouabilité, bon, Malone, peut-être le vendre du coup comme vous l'avez dit parce que peut-être qu'il vaut un peu de crédit, il va pas valoir beaucoup cher. Chukwueze peut être intéressant sur un banc. Je pense qu'on veut prendre au bas tous les jours. On n'a pas vraiment de quoi le faire rentrer, ça le problème. On a Klosterman aussi ici. Je pense les des joueurs tu vois un peu game breaker, on aurait ça tu vois. Mais ou alors on fait un truc comme ça, et du coup on se dit vas-y, il faut peut-être qu'on change notre milieu centre ici et notre défenseur central là de Kouyaté et peut-être se mettre de la Bundesliga, un mix Bundes et tout tu vois, ça peut être sympa aussi hein. On a Elvezi hein, mine de rien, petit Suisse qui fait plaisir. On a bah, le petit Koné qu'on avait visualisé, qu'on pense plutôt intéressant. Peut-être un gardien aussi pour être intéressant. Bundesliga, peut-être mieux. Je n'ai pas des mieux, mais pour l'instant, ça peut-être. Ça fait quand même le lien beaucoup. Et pour un début, c'est quand même plutôt sexy, quoi. Ou alors après, bien évidemment, bah, on a la deuxième solution, c'est on enlève un des deux attaquants et on joue avec Oba et on fait un Ligue 1, quoi. Mais Ligue 1, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai eu. Hein. Vraiment, j'ai regardé, j'ai fait gaffe.
J'ai pas eu beaucoup de choses intéressantes. Hein. Bon, on a Ito quand même qui peut peut-être faire le côté. Acheter un défenseur droit, un défenseur centre. Est-ce qu'il y a un monde où on fait ça peut-être ? On peut se lister Malone à 12 000 quoi, 11 750. Du coup, on peut se lister aussi Klosterman. Ben, ça va faire des thunes, je pense, quand même en début de jeu. Ah non, ça coûte rien. Ok, intéressant. Donc on va le garder dans le club. Peut-être eux, c'est pas vendable hein, de toute façon les deux. Après, lequel est le mieux en vrai je pense que quand même malheureusement en termes de vitesse, ça va quand même jouer pas mal. Hein. Et vu que Oba est un peu moins rapide que les autres années, peut-être c'est ça qu'il faut faire. Du coup, ici, on enlève ça. Tu vas m'améliorer. Ouais, vous le faites évoluer, vous, hein, c'est ça. Et là, tu me dis Gigot, c'est ça? Apparemment, on a un bon défenseur ici à Marseille. Ouais, ça peut faire le taf. Après, bon, je suis pas sûr que Mbemba. Ouais, Mbemba, une sacrée carte aussi, Mbemba, en vrai. Je préfère limite Mbemba. Après, je me rends pas compte des prix à l'heure actuelle. Hein. Après, attends, avec Amandine Henry, est-ce que ça passe du cas des Français? Parce qu'à tout moment, on peut jouer à Amandine Henry aussi, hein, pour rigoler. J'ai quand même envie d'attendre éventuellement les retours de YouTube qui me disent ouais, fais un peu ce que tu veux ou pas, tu vois. S'ils préfèrent que je continue sans mettre d'argent par rapport au fait. Parce que bien évidemment, ça donne envie d'ouvrir les packs pour se dire vas-y, on se fait kiffer. D'un autre côté, c'est vrai que là, bon, on a déjà envie de commencer avec ça, on est déjà pas mal, tu vois. Je préfère attendre un peu la vie de YouTube, ça vous dérange pas les potes, parce que bon, YouTube c'est quand même le premier amour de ma vie. Hein. Et derrière, ben voilà, un petit pack. Ah, ça fait deux packs à 150, hein. Et pas dégueulasse. Pourquoi pas, hein. On peut chatter aussi. Le Starling ? Bah oui monsieur. Peut-être mieux que Mitoma, je sais pas trop. C'est beau ça dans un pack à 7500 quand même. Oh, ça vaut peut-être pas cher mais c'est quand même beau. 9000 crédits. Oh je vais le vendre. Soit par ce prix là on se prive pas. Allez, bah franchement beau. Allez, dernier pack. Bon on aura fait la plus grosse note hein. On aura fait la plus grosse note. C'est magnifique. Liverpool, Japon. C'est qui? Endo? J'aime même pas. Ok, bah pourquoi pas. Why not? Why not? Et Kubo aussi qui est là. On va garder pour l'instant. Très bien. Vas-y, on va lister ça. À tout moment, il y a un truc qui part cher, tu vois. Bon, bah écoutez, les gars, ce premier pack opening était pas mal. Nous, on va aller faire l'équipe. Et je pense qu'après, on va aller faire un petit peu de Revolves, les petits potes.